Eh bien, salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous? Moi je vais très très bien, et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un jeu fabuleux, et oui, il n'en est pas des moindres, nous sommes sur Airport Simulator. Laissez-moi vous laisser deviner un petit peu le numéro qui se cache derrière. Nous sommes bien évidemment sur la version 2014, et c'est une honte de sortir ce genre de jeu en 2014. Il est en français, naturellement, allez-vous me dire, mais rien que de voir le charger une partie qui dépasse de sa case initiale, je pense que ça présage que du bon. Alors en allant dans Options, on peut se rendre compte qu'il n'y a pas de 1080p. En gros, si tu veux une bonne résolution, tu vas te faire enculer, c'est le cas de le dire. Il te le dit d'office, et là, franchement, à mon avis, c'est du très très lourd. Alors, j'ai joué 5 minutes, je ne connais rien du jeu. Juste en voyant ce menu, ça m'a suffi pour me dire qu'il faut que je vous en fasse une vidéo. Donc c'est parti, on perd pas de temps. Le décor, tout apparaît sous nos yeux. Alors, je peux bouger la caméra. Bon, on peut voir que le décor est... What the fuck ? Hormis le fait que sur le parking, il y ait 4 couleurs dominantes, on peut très clairement voir d'ores et déjà d'office que c'est un jeu qui va arnaquer des millions de personnes. J'ai 1000 euros ou 1 euro, je ne sais pas exactement comment le prendre. J'ai 1000 balles, c'est pas mal. On est le 1er mars 2014, ça se met à la date de l'ordinateur, c'est génial. On va cliquer un petit peu sur les icônes. D'accord, très bien, donc on a un tableau qui ne veut rien dire. Ouais, d'accord, donc l'icône véhicule nous permet de conduire un véhicule. Je ne sais pas qui je suis. Je suis lui, oui, je suis le seul. Je suis le mec qui attend dans la voiture depuis 2 heures. Ma, comment allez-vous? Je vais très bien, tout se passe plutôt bien, j'ai hâte de finir cette vidéo. Je pense qu'on dépasse très aisément le 40 km/h, mais c'est pas sûr, rien n'est sûr. Allez, go les gars, go, c'est une urgence! Non, mais la musique va juste super bien avec, avec l'état d'urgence un petit peu, ça fait clip américain. Clip américain en voiture. Par contre, le mec qui est au volant, il fait juste flipper, hein. Il est juste un tout petit peu chauve. Pourquoi il y a des inactifs? Tout est inactif. L'aéroport est mort. C'est la fin du monde dans l'aéroport. Je suis le seul mec en train de rouler sur la piste, là où il y a l'avion. Monsieur, arrêtez-vous! C'est un ordre! Arrêtez-vous, monsieur! Mais veuillez-vous... Oh! Oh, je fais du deux roues arrière. Oh, ça, c'est beau. Petit moonwalk que je pense on peut passer au ralenti. Monsieur, veuillez vous garer sur le côté. Je suis sûr que vous nous voyez à travers vos vitres teintées. Monsieur, ne faites pas l'ignorant. Alors, petits hublots, j'en ai vu, mais alors un hublot où même ta tête ne passerait pas pour regarder, c'est assez impressionnant. Tour de contrôle, MrBboy45, le véhicule parti sur la piste est tout simplement disparu. Nous n'avons plus de vision. Ah si, je crois que je le vois, monsieur. Je crois que c'est mon véhicule. C'est votre véhicule. Oh oui! On peut faire des effets cinématographiques, regardez. Je fais genre je cours et attention. Alors là, je crois qu'il y a pas, ça va pas au-delà de la première hein, dans les voitures. Et là, on passe direct. Oh là là, mais c'est magnifique. Ah, je peux peut-être acheter des trucs qui demandent 5000 euros. Très bien. Très, très bien. Et là, c'est inactif et ça clignote. Oh, oh regardez. J'ai cliqué, ça a bougé quelque chose. G2 en stationnement. Je répète, G2 en stationnement. Où es-tu? Go, les gars, à la recherche de G2. Ah, un avion décolle, c'est l'état d'urgence. Go, go, go. La personne dans l'avion n'est finalement pas morte. Monsieur, arrêtez-vous. Déconnez pas, monsieur. Ne faites pas cette bêtise. Ne décollez pas, non. Je sais, vous allez vous perdre en Malaisie. Ah, ah, oh, j'ai eu un accident. Laissez-moi sortir. Oh mon Dieu, il tourne. Monsieur, n'allez pas là-bas, il y a des gens. Il y a des gens encore en vie. Monsieur, je vous bloquerai le chemin. Même si ma vie doit en coûter. Ah, ah. Oh, monsieur, non! Pourquoi m'avez-vous mis sous terre? Non! D'ailleurs, il y a un caca. Il y a un caca là-haut, je sais pas ce qu'il fait. J'ai des enfants, monsieur, laissez-moi partir, s'il vous plaît. J'ai 12 gosses à nourrir. Putain, n'y connais pas, monsieur. Oh! Déployer le tunnel, escalier vers la porte, maintenance vers la porte, bagage vers la porte. Et nous avons 7 minutes, sinon les gens meurent. Les gens explosent à la fin du compte à rebours, c'est très agréable. On va conduire le tunnel. Oh là 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 là, mais quel... C'est beau, c'est beau. Alors attendez, on va tenter quelque chose. Ouh, je ne maîtrise pas totalement mon engin. Veuillez m'excuser, c'est n'importe quoi. Mais c'est ridicule. Messieurs, impact dans 3, et 2, 1, impact imminent. Oh, oh, oh. Ok, très bien, c'est ridicule. C'est ridicule à quel point...
C'est de la merde. Oh là 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 là. Je ne maîtrise pas totalement mon tuyau. Ah, mon tuyau en perd. Je perds l'orientation. C'est on dirait un panneau solaire le truc devant, c'est ridicule. Mais putain, mais comment on déploie cette connerie? En attente de déchargement. On peut remarquer quand même que l'écriture dépasse un tantinet la petite case à prix. C'est pas fait, c'est fait pour les Japonais ce jeu-là. Hein. J'arrive, monsieur, j'arrive. Laissez-moi tranquille, c'est encore Jean-Paul qui conduit. C'est bon, les gars, vous pouvez descendre, vous pouvez débarquer. C'est parfait. Alors attendez, bus vers la porte maintenant. Bah, c'est toujours Jean-Paul, j'ai pas changé, je conduis un peu tous les véhicules, je me téléporte dans les véhicules. Je cours plus vite que j'avance avec un véhicule. Oui, tout à fait, c'est toujours moi, Jean-Paul, je vais toujours très très bien. Comme vous voyez, quand je tourne à droite ou à gauche, mes mains ne bougent pas du volant. Tout à fait, messieurs. Je vais direction l'avion que je connais par cœur, hein, ça va faire 30 fois à peu près que j'y vais avec un véhicule différent. Et oui, c'est moi Jean-Paul, je suis de retour, je reviens à bord d'un mini-tracteur pour aller directement voir notre ami dans le couloir G2. Et oui, effectivement, je suis expert en conduite et j'adore conduire plein de véhicules. Alors là, je suis livreur de glace. Hop, olé, voilà, nickel, il n'y a plus qu'à laisser tomber les bagages. Oh, Jean-Paul, j'ai perdu le contrôle de mon véhicule. Ok, donc c'est bon, on va passer directement à la suite. Bonjour, c'est Jean-Paul, cette fois-ci on est dans le Smirton, je fais à peu près 12 travaux différents dans la même journée. Oui, il faut bien rapporter son argent, c'est la crise depuis les élections présidentielles. Laissez-moi partir, laissez-moi m'en aller. Mais c'est une urgence, c'est le moment de mettre la musique. Je viens nettoyer les soutes de l'avion, les amis. J'arrive d'urgence. Ah, je passe in extremis sous l'aile. Tout est prévu. Tout est calculé. C'est beau. Je peux encore conduire le bus? Non. L'escalier est toujours de travers. Hein. Les gens meurent dans l'avion, là, à l'heure actuelle. Ils meurent d'intoxication. La respiration. Je suis drogué. Laissez-moi sortir. Camionnette de réparation. Oula. Ah! Salut tout le monde. C'est la réparation. Appelez-moi Jean-Paul. Je suis de retour encore une fois. Je suis expert en tournevis, il y a des tournevis sur ma porte. Non mais c'est n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Mais j'ai mis 12 véhicules autour de l'avion. Je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça autour d'un avion, c'est n'importe quoi. Il y a monsieur... Ah, pardon. Excuse-moi, Jean-Paul, le numéro 2. On va sauvegarder, c'est... Ah, mais... Non, c'est bon. Ok, au fait, on a perdu... Oh, je vois la flash à travers le décor. Oh, ça, c'est beau, ça. Je n'ai pas appuyé sur de touche magique. On va tenter de passer totalement, littéralement, en travers. On ne peut pas. D'accord. Là, là, oh putain, j'ai cru que l'avion était reparti. Oh putain, j'ai flippé, les gars. Déconnez pas, là. L'avion en direction, là, Malaisie. Et t'as attendu à l'accueil. Il y a toujours mon camion, là-haut. Je crois que c'est mon... Non, c'est mon camion. Mais c'est Jean-Paul numéro 12. Qu'est-ce qu'on fait? Je dois attendre. Travail. Donc, ça veut dire les mecs travaillent, hein, c'est ça. En attendant, on a une magnifique vue depuis la tour de contrôle qu'il ne faut pas baisser, d'ailleurs. Bref, ce jeu est une totale dinguerie, hein. Il y a de quoi s'amuser, sans déconner, je crois qu'il coûte assez cher pour ce que c'est, peut-être même trop cher, c'est-à-dire que même si t'as 3€, va t'acheter des Kinder Surprise, tu joueras bien plus avec la surprise à l'intérieur, là c'est super chaud les gars, donc le jeu se base uniquement sur un temps d'attente que vous voyez en haut à droite, il n'y a rien à faire quand il y a écrit travail, hein, à part remaîtriser son véhicule, comme vous pouvez voir, voilà le désastre que j'ai fait. Donc on a retrouvé les gars notre avion, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Je pense que je peux peut-être... Non, on peut même pas gérer autre chose, une autre halle, en tout cas pas pour l'instant. Ce jeu est une totale catastrophe, d'accord? C'est réellement de la merde, il faut le dire. Ne l'achetez surtout pas, et si tu as aimé la vidéo, mets un j'aime, mets un commentaire, et j'en ferai d'autres comme celle-ci. A plus au monde.